D'accord, vous. J'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés. Mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. C'est bon. Attention. Venez du bout. Larguez tout. On peut y aller. Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de loin. Et avec de mauvaises nouvelles. Les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Possible, on vit une drôle d'époque. Envoyer au loin le garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste. Attendre vos nouvelles, Corvo. T'as compris ce qu'il faut faire? Ouais, ouais. Ça manquait de pression. Ils sont trop sensibles, ces nouveaux engins. Fais juste gaffe à ce que tu fais. Bien le bonjour. Il est là pour faire un portrait aujourd'hui, si on veut. Corvo, tu es de retour! Raconte-moi ton voyage! Dis, tu as vu des baleines? Hé, tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher! Tu as le temps! Mère est occupée, elle parle avec ce vilain maître espion. Bon, d'accord. Allons voir ma mère. Tu as vu des monstres sur les autres îles? Ma nounou m'a dit qu'il y en avait plein dans... Ravi de vous revoir, protecteur. Cessez de bouger, Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les îles, quémandé de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Bien, restez immobile un instant, votre éminence. Ce portrait ne ressemble pas trop à... Elle va vous recevoir. Ça va mal. Est-ce que l'état de la ville peut encore... Tu pourras continuer à m'apprendre l'escalade. Un jour, je grimperai sur le toit. Il s'agit de malades, pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Ils... Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Émilie. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, Majesté. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles?
J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île, qu'il y avait un remède. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Les lâches. Ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qu'y a-t-il, mère? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais bien. Mais où sont les gardes? Qui les a congédiés? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Quoi? Émilie, viens ici. Merci. Si vous n'aviez pas été là... Oh non! Pas encore! Non, non! Non! Laissez-la tranquille! Oh, 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 oh. Maman! Oh. Lâchez-moi! Maman! Corvo... Tout est perdu. Trouvez Émilie, protégez-la. Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire, n'est-ce pas? Quand vous... Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? C'est lui. Il a tué l'impératrice. Qu'avez-vous fait de Lady Émilie? Traître! Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Votre dernière chance, Corvo. Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. C'est assez pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Il n'y a rien de personnel dans tout ça, même si vous avez presque fait échouer mon plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il nous fallait trouver un coupable. Adieu, Corvo. Garde, ramenez-le à sa cellule. Mangez donc, Corvo. Ce repas vient d'un ami.
te sens d'ici. Lâche-moi. Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain ? Parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice et enlevé... Fais-moi sortir. J'ai plus que 3 jours avant qu'il me coupe la tête. Ouais, c'est du grand spectacle pour le beau monde. Ils veulent bien jouer, camarade. Se faire couper la tête. Fais-leur la peau. Et dire qu'on nous reproche de parier sur les combats... L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable, une semaine à l'avance. Venir voir l'exécution de demain. Parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a... Attention. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable, une semaine à l'avance. Attention, l'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Je dois faire l'objet d'une demande préalable, une semaine à l'avance. Thank you.
Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. S'est encore évanoui. Même s'il a enduré bien davantage que deux autres détenus pour interrogatoire. Nous reprendrons à son réveil. Il n'est pas indispensable qu'il signe des aveux, mais je préfère être prévoyant. Cela pourra nous être utile plus tard. L'assassinat d'une impératrice n'est pas chose triviale. Espèce de larve. T'as patrouillé dans la cour ? Non, pas encore. Faut que j'aille signaler la fuite de la chaudière qu'on a eue hier. Oublie ça, va plutôt faire ta ronde. Un rapport, c'est mauvais pour nous deux. Ouais, j'y vais. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Encore à cause de cette partie de dés ? Pas maintenant. Entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable une semaine à l'avance. Hey, c'était quoi ? Je sais que j'ai entendu quelque chose. Attention, l'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah!
Thank you.